1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà, 15 choses sur moi. Merci à tous, à bientôt. Abonne-toi. Hey, bon d'accord, ok, ça va. On y va. Je suis espagnol, mais je ne parle pas du tout espagnol. Pratique. No puedo hablar bien. Porque la luz es el corazón de la pasión. Je sais pas ce que je viens de dire. Je suis du signe astrologique du Capricorne. Alors je mets pas de corne et je ne crois pas vraiment à l'astrologie. Mais ce qui revient très souvent, c'est que je suis têtu. Et c'est vrai. Et parfois même un peu trop. Tiens debout. Tiens debout. Tiens debout. Tiens debout. Mais tiens debout. Tiens debout. J'ai joué dans la série télé VDM, Vie de merde, qui passe encore sur NT1. Vous avez été nombreux à m'avoir vu à la télé et m'avoir demandé si c'était moi. Eh bien oui, c'est bien moi. J'ai une moitié de fausses dents. Le bout de cette dent est en résine là, vous voyez? Ah, c'est pas facile de parler en souriant avec un doigt qui te touche là. Oh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'école primaire et je me suis battu avec toute une bande de méchants pour défendre une fille et... Non, en fait, c'est juste quelqu'un qui a relevé sa tête et j'étais juste au-dessus. Beaucoup moins impressionnant. Je n'ai pas toujours été comme ça. En fait, avant, j'étais en surpoids, je pesais presque 100 kg et j'ai perdu 35 kg grâce à un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait tout seul. J'en parle dans une vidéo et le lien est dans la description. Comme quoi, tout est possible, il faut toujours garder l'espoir. Je suis un vrai geek. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l'âge de 3 ans. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Je collectionne les consoles et les jeux, et ma licence préférée, c'est Tomb Raider. Je me ronge les ongles depuis que j'ai 7 ans. Ça non plus, j'ai jamais arrêté. Mais parfois, je les ronge un petit peu trop. J'ai travaillé chez Monoprix, où j'ai déjà passé à ma caisse Gad Elmaleh et Valérie Damido. Et à Europe 1, où j'ai accueilli dans les locaux de la radio David et Cathy Guetta. Et c'était impressionnant. Bonjour, bienvenue, c'est par ici. Ça aussi j'en parle dans ma vidéo sur les jobs étudiants. J'ai eu une jambe cassée quand j'étais petit, mais je me souviens ni de comment c'est arrivé, ni du plâtre, ni de rien du tout pendant cette période. Peut-être que j'étais enlevé par des aliens. Je suis à 0% anglais et 0% américain, but my English is very good and I don't know why. Maybe I was abducted by English people when I was young. J'ai été hospitalisé quand j'étais petit parce qu'un jour, en rentrant de l'école, ceci est arrivé. Mes parents m'ont emmené aux urgences, alors prise de sang, examen, nuit à l'hôpital. On pensait que c'était l'appendicite, qu'il allait falloir m'opérer. Et en fait, c'était un gaz coincé dans mon estomac. Glamour. J'ai fait 2 ans d'équitation, 2 ans d'escrime et 2 ans de natation. Du coup, maintenant, je peux affronter un méchant à l'épée, sur un poney, sous l'eau. On sait jamais, ça peut servir. J'ai la collectionnite. Quand j'aime quelque chose, il faut que je collectionne. Des bougies, des bouteilles de coca, des capsules de café, des figurines, et parfois des trucs complètement inutiles, comme des places de cinéma ou des images à collectionner mignons. Elles sont belles, mes images. Je n'aime pas dormir la nuit. Je mets toujours au moins une demi-heure avant de m'endormir. J'ai l'impression que c'est la nuit que j'ai le plus d'énergie. Ça se trouve, je suis une chauve-souris et je le sais même pas. Par contre, j'adore dormir le matin. C'est pas très pratique. J'adore chanter. Je chante partout, tout le temps, je saoule tout le monde, mais c'est limite un besoin vital pour moi. Suddenly Monday appears again. Where was the weekend? I lost it again. Ran to the bus stop, it's never on time. I couldn't care less, cause you make me feel fine. Whenever I'm down, you're always around. Maybe this time true love I found. What would I do if I didn't have you? The things that you say, the things that you do, you make me high. I wish that you knew, I wish I could tell you, together we'd fly. Open your eyes, start reading my mind.
Et enfin, et c'est pas pour me vanter, j'ai des abonnés extraordinaires. Merci pour votre soutien et tous vos commentaires, vous êtes top, 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 top. Et vous, quelle chose amusante pouvez-vous me raconter sur vous-même? Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous n'avez pas envie d'écrire un long message, laissez simplement le hashtag MaxFamily, ça fait toujours super plaisir. Merci. Si cette vidéo vous a plu, laissez un joli pouce bleu et partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Ouais, waouh. Et pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous! Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures! Bye! Abonne-toi!